Un nouvel épisode, on démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Testing. I am the champion. Comment tu sais? Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode de A Plague Tale Requiem. Nous allons démarrer immédiatement sur un combat. Donc on attache sa ceinture, clic là qu'il va y avoir du sport. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo avec mon doigt qui bouge encore une fois. Allez go, comment on y va, il y a du sport là. N'approchez pas de ma famille. Ça arrive, à couvert, vite. Attaque, tous sur la fille, les autres peuvent attendre. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Ouais, pour le moment, on est bien là, on est bien. Allez! Allez, venez, venez. On va danser, on va bouger. On va bouger. On va bouger. Tu dois tenir bon. Occupe-toi de lui. Je les tuerai tous, Arnaud. Je vais finir le travail. Waouh, ça commence bien. Il y a du sport, mais on est passé au bout de deux trails quand même. Le travail sur la partie d'avant, et puis là, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Pas si vite. Oh merde. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais te tuer. Je suis là. Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armée. Je me bats pas, je suis, regarde, je cours. Le bateau, Sam, retourne aux cordes. Ah, pour courir, je suis pas fort, hein. Je te l'avoue. T'arrêtes pas. Quand on tue, on doit être prêt à se faire tuer. Ça semble juste, non? Non, c'est pas pour oreille dent pour dent, non. Tu tends l'autre joue, je te tue, tu tends l'autre joue. Ne le laisse pas approcher. Oh, recule, tu peux encore y arriver. Wow. Attends, oui. Ce qui est bête, c'est qu'on puisse pas. Non, allez au diable. On puisse pas bien regarder un peu les décors, les arbres et tout. C'est tellement bien fait, c'est tellement joli. Ça me ressemble bien. Je t'aurai quand même. T'es en sécurité. Pour l'instant. Respire. Ouais, il passe pas là-dessus. Je vais m'occuper de sa famille. Ça devrait la faire sortir. Non. Allez, cours, Forest! Cours, Forest! Cours, vite! Prenez les vélos! Non,
cours. Oui, cours, elle te dit. Cherche pas, ils sont trop nombreux de toute façon. Si tu les touches. Oh merde, merde, merde. Oh non, ben non, aïe, ça fait. Je peux pas les avoir eux, hein, je sais pas. J'ai plus de flèches. Non, non. Où est-ce que tu vas? Je vais m'occuper de sa famille. Ça devrait la faire sortir. Attends, petite. Pourquoi toi? Je te ferai pas de mal. Promis. Je dois atteindre le bateau avant lui. Dépêche-toi de bouger. Tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. Hein? Vous êtes. C'est eux. Aucun doute. Elle est pas mort, l'autre. Se prend une caillasse dans la tronche, il est pas mort, quoi. On arrête de pioncer et on cherche les intrus. Y a personne. Il est encore chaud. Le coupable n'est pas loin. Ah ouais. Il va vite refroidir, va. C'est vraiment galère de pas avoir de flèche, quoi. Putain. D'accord, lui il bouge pas quoi. Pas très malin. Je vais vous trouver. Alors, si c'est par là, tu ferais mieux de pas t'enfuir. Merde. Oh non, il y a encore l'autre. Reste où tu es. Oh, alors on joue plus. Tu vas voir si je joue. Oh merde. Bah tu fais quoi, Amicia? Bah sérieux, t'es sérieuse, t'es pas sérieuse, t'es quoi là? Putain. Je sais pas où je suis foutu. Il faut l'aider. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Bah, c'est clair. Regardez ça. Voilà tes renforts. Ah ouais, c'est lui qui commande les rats en fait. C'est ça? Avec la macula. Waouh. Comme il a sauvé sa sœur. C'est bien Hugo. Mourir, hein? Non. Il est mignon, ce gamin. On n'a plus beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que vous attendez? Amicia. 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 Amic. Amicia. Amicia, pourquoi? Parce qu'il faut aller sur l'île. Elle veut plus aller à Marseille. Lui, Hugo non plus. Les bons tuyaux.
peu cher. J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Oh, c'est bien ça. 6. Ils savent pas naviguer en bateau. Ça c'est con. Ça c'est con. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore. Coup de crosse qu'elle s'est pris. On ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Coup de pommeau plutôt. Il y a de l'eau là-bas. Ouais. C'est ton île ? Oui. Ah. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture. Non. Au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment ? Je vais t'aider. Doucement, d'accord ? Oui. Quelle histoire, les amis, je vous jure. C'est bon. Déjà ? Parfait. Merci. Tu es doué, tu sais. On dirait une vraie pirate. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Allez. On se casse de là. C'est bien, j'ai une arbalète. Comment on va sur une île ? En bateau ? Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois ? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre ? Non. Bon, par contre, là, ils je vais sont là. En sécurité. Mais de l'autre côté, il n'y a rien de l'autre fuir, côté. Ils vont se cacher, Hugo. Ça me rappelle les bois dans le sud où j'allais quand j'étais petit. Avec les pins et tout. Non, on risque de retomber sur ces mercenaires. Ah ouais, ok, donc c'est bien l'autre côté. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Regardez un peu ce paysage. C'est hypati magnifique. Là, on va arriver. Un champ de lavande, peut-être. Non. Wow, regarde ces belles fleurs. Oui. Non, c'est pas de la lavande. Allons, tu adores les fleurs. Eh oui. Mais, et si leur bateau coule ? Hugo. Est-ce qu'ils savent nager ? Ben tout oui. Tout ira bien. Promis ? Oui. Attends, tu vois cet arbre ? Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant ? Pourquoi ? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2. Je vais pas le laisser 1. Gagner. Hey je le laisse pas gagner, je le laisse pas gagner. Micha, c'est tout ce que tu donnes ? Oh, non, ça saigne encore. Je vais gagner. Ça va passer. Désolé, mais si. Tu t'es fait mal ? Oh, il y a un nid. Oh, regardez, il y a un nid. Excellent. Hugo, est-ce que moi, je regardais le nid ? Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre. Ouais, regardez. Là, wow, l'étincelle oui. De Nike. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. Franchement. Là, je ferai de toi un oiseau. Un
un chevalier oiseau. Putain, j'ai vu le nid avant même que... Ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux ? Une jolie fleur dans une peau de vache. Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah. Une jolie vache déguisée en fleur. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ah, mais elle est au bout de sa life, Amicia, avec sa douleur. Bah, ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Ah non, la prochaine fois, je t'écraserai. C'est quoi qu'on mange ? Je ne sais plus. Oh, tu entends ça ? C'est quoi ? Des chants. On dirait une messe. C'est vraiment magnifique. Il y a une église ici ? On va voir. Une église ou une secte ? Qu'est-ce que c'est ? Un marché ! Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. Les campeurs. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider ? Bonjour. Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens ? Oh, c'est l'heure de la messe. Ah non. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome ? Exactement. Et vous ? Où allez-vous ? Sur une île inconnue. On ne sait pas grand-chose à son sujet. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas comment aller, ni où aller. Perreux connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Allez, on va se reposer à l'ombre. On va se prendre une bonne bière. Pourquoi est-ce qu'il avec ce cagnard là. Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce perreux. Ce perreux. Attention les enfants. Doucement. Puisse le temps rester clément. Bonjour. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. Ouais. J'ai faim maintenant. On voudrait une bière, s'il vous plaît. Non. Allez, viens. Bonjour, une bière ? Non. J'ai jamais autant marché. Une bière ? C'est là le bistrot ? Non. Qui a volé l'orange du marché. Bonjour. Une bière, bonjour. Une bière, non, pas de bière. Y a pas un bistrot dans ce coin là. C'est quoi ce bordel? Dis, Janine, il te resterait pas du sel par hasard? Tu es déjà à court. Et une bière? On est plus nombreux depuis l'arrivée du dernier groupe. Toujours plus de peut-être. Temps bien préparé. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. Bon. J'ai tellement hâte. Eh bien, moi, je préfère aller à mon île. Je suis sûre qu'elle est mieux. Les anciens semblent tenir le rythme. Oui, ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. Salut, Loi. Oh, Loi. Bon, ben, c'est par où j'ai fait le tour, là, en fait. Allez, poussez-vous, les mioches. Allez, allez, hop, hop, hop. On peut essayer de passer, là. Nomi. Ah ben c'est là. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond ? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Et c'est fini quand ? On voudrait une bière. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Amen. Amen. Pardon ?
Amen. Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Amen. Allons lui parler. Bonjour, bonjour, on cherche le bistrot. Bonjour. Non. Ah, bonjour et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui, et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Mmh. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Mmh. Bonne chance. Ça, c'est l'armée, j'en étais sûr, putain. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité. Allez. Dans tes yeux. Mais... quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Ouais, elle est gentille, hein. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Oui, mais quand? Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. De nouveaux venus derrière, attention. Nous sommes de bons chrétiens. Des intrus. Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Oh oui. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je vais prier pour m'avoir laissé sortir. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention! Reculez! Non! On a un problème! Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Ok. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia! Je sais. Chut. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia? Pas encore. Attends au signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Soyez prudent. On peut vous piquer un cheval? Non. J'espère qu'ils auront pas de problème. Magnifique. Tant qu'ils ne nous trouvent pas. Personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Un chemin? Il est où le chemin? Ah, ok. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp. Étendez les recherches. Non, non. Non, non, monsieur. Personne n'a vu un garçon et une fille. Ils sont là. Cours, cours. Oh merde, la merde. Ici. Allez, allez, mange, allez, une dent moins. Hugo, fais ton truc pour attirer les rats. Ah mais tu vas ruiner tout le village, non. On doit partir. Oui, oui. Oui. Oh. Tourne. Allez les gars, on a 7 minutes pour finir le passage. Là. Allez. Tu saignes encore. 7 minutes. Seigneur. Poursuivez-les. Amicia. Tu es là. On doit partir. Faut pas tuer la fille, ce n'est qu'une enfant. Qu'on avance. Tu ta mère. Où on est? Oh. On dirait une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Je ne sais. On peut pas aller ailleurs, on peut pas aller ailleurs. Allons à l'intérieur. Attends, il y a un établi, est-ce qu'on a gagné un truc? Restez à découvert. On n'a rien trouvé, putain, mais on les trouve comme où les matériaux? C'est tellement plein stress aussi, j'ai pas beaucoup fouillé. Où ils sont? Je sais pas.
Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui, j'ai perdu la tête. Tu voulais que je fasse dit. Comment ben J'avais ouais. trop honte. Allez, reste concentré. Ah. Amicia, ta tête. Je sais, mais on peut pas s'arrêter ouais, là. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu ces aides. Une résine, une salpêtre, ça pètre. Ah, t'es pourri. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord, sois prudent. Maintenez. La flèche du haut, c'est ça? Non, la flèche du bas? Ah ouais, oui. Ah ok. Je les vois. Ils sont là. Ah, des soldats. Attends, comment? Les rats, ils sentent le sang des gens. Moi aussi maintenant. C'est comme un bruit ou un écho. Alors, ils sont où? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y, prudemment. Ouvrez l'œil, soldats! Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Ah, oh, commence pas avec tes fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine a plus énervé que 1000 Anglais réunis. C'est top, ça, les poteaux. Encore. Je sais pas. Par ici. Oh merde là. Ah ben là c'est clair. Waouh. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Ah, oh, commence pas avec tes fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Hein? C'est forcément eux. Ça venait de là. Non. Hein? Oh non! Cours! Cours Hugo, cours! Allez! Allez, la bloque, on la bloque, voilà. Bon, on a réussi à passer. J'en sais rien. Il faudra brûler ce corps. Va au diable. C'est quoi? Il se cache pas. C'est sûr. Oh non. Oh merde. Oh non, merde, aïe. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est? Des chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable.
On a un soldat mort. Ils peuvent pas s'échapper. Traquez-les. Oh non. Merde, c'était pas ça que je voulais faire, mais bon. Oui, c'est bon sang. Amicia, putain. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est? Des chiens de guerre de la muraille? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable. Ouais. Tu perds le couteau. Allez, allez, fouille, fouille. C'est bien. Une seconde. Bon. Alors, bah c'est pour le faire venir, tu peux pas t'y rentrer en dehors que le... Putain, franchement. C'était... C'est... J'en suis sûr. Je sais où vous êtes maintenant. Il va nous voir. Non, non. Lui. Inutile de vous cacher, je vous aurai. Allez, lève-toi. Debout. Ne craignez pas, je vous aurai. Bon sang, il est mort. Je jure que je retrouverai le meurtrier. Non, non. J'ai perdu mon couteau, mais moi j'ai tué. Hey, tu te sens bien? Hey, ça va pas? Non, non. Il est mort. J'aurais le mort. Salaud qui t'a fait ça. Putain, c'est chaud patate, les amis. Y aller. Séparez-vous. Cherchez-les. C'est chaud les patates, c'est chaud les patates, c'est chaud patates les amis. Oh putain. Ah.
C'était... J'ai besoin de sommeil, moi. Merde, merde. Ils sont là-bas, poursuivez-les. On fait quoi, Amicia? Il était perdu. Oh, je les tiens. Non, non. On est repérés. Non. Ces salopards sont ici. Saisissez-les. Oh non. Allez, allez, vite, vite. Waouh, putain, on a réussi les photos. Waouh. Amicia, laisse-moi, je vais attendre, Amicia. Non, ils nous trouveraient. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus dur. Partout, trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bougies. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Eh bien les amis, on est bien planqués. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Clic là qu'on peut détacher la ceinture. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien, on dit bye bye, à très bientôt. Allez, ciao, 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 ciao. Tchou, 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 tchou. Toujours le doigt qui bouge, putain. I've been dreaming all in my